Tu veux que je vire ma cam ou je laisse ma cam? Si j'avais mis ma cam, alors là oui, ça aurait été incroyable d'avoir ta cam. Mais je mets pas ma cam pour des raisons que je suis en peignoir. Oh, c'est bon ça. Bah moi je vais pas la mettre non plus parce que pour des raisons que je suis à poil dans mon fauteuil. Donc... Pour ce nouveau convoi Eurotruck, je serai en très bonne compagnie avec Seb. Enlève ton peignoir, je vais te détendre l'entonnoir. My Godness. Ça va, My Godness? Ça va. Et Turbo Transport. Ça vous dérange pas, les gars, que je fasse chauffer mon moteur? Tu pollues, c'est tout. Mais c'est sûr que c'est bon, on s'en fout, on n'est pas à Strasbourg. Ah, regarde ça, le klaxon et la pollution. Oh putain, je vais pas te mentir, mon copain, le Volvo il est neuf dans le papier. Nous nous apprêtons à livrer 17 tonnes de bonnes saucisses. C'est bon ça, la bonne grosse saucisse. Bien tendre, bien fraîche. Putain, il a changé Turbo, hein. Nous partons de Limoges, traversons les magnifiques petites routes modées par Charlie avec son mode Sud de France. My Godness, regardez ça, paf le rétro, terminé, constat, hop là, allez. Ouais, allez sur grandutopia.fr, vous trouverez son mail. Et pour cette nouvelle année, je change de DA. Nouveau logo, nouvelle bannière, nouveau décor et nouvelle intro. En espérant que ça vous plaise. Pour moi, ce changement signifie beaucoup de choses. Bon visionnage. Faut qu'on reste tranquille parce qu'après sinon on va se faire strike par YouTube. Après. Mais moi je me fais démonétiser de partout de toute façon, ça change rien. Ouais. C'est pour ça que je crois que je vais pas monétiser la chaîne parce que si tu peux plus rien dire après c'est pas la peine. Bah si en soi tu peux mais c'est juste que bah du coup tu gagneras quand même pas d'argent quoi. Ouais c'est ça, ouais. Donc autant s'éviter de la part. Mais après, YouTube, après attention, tu sais, tu es dans une vidéo Eurotruck, tu dis une connerie au bout de 20 minutes, franchement ouais. Ça peut passer à la trappe hein. D'accord, ah d'accord, ok, ouais. Faut vraiment être un gros con quoi, dès le début de la vidéo dire hey, salut les ça allait bien ou quoi. Salut les j'espère que vous allez bien, allez tout vous faire en merci bien. C'est ça. Oh là c'est clair. Oh putain c'est pas là normalement ça passe pas trop. A priori ça. Non. Le seul flic qui me file la coulante, c'est le l'autocollant derrière. C'est le seul truc. Mais alors c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on prenne une bâchée, comme ça je vois plus de grosse daube à l'arrière. Bon ça va, j'accepte. Parce que c'est vrai, j'accepte parce que les Scania c'est vrai que c'est vraiment inconfortable au possible. La petite guéguerre Volvo Scania qui me fait rire moi. Ouais. Ouais bah tu sais quand j'étais avec mon Volvo, avec mon Scania sur les aires de autoroutière, je me faisais à chaque fois chambrer hein. Ah bah oui ça après. Tant que c'est. Quand c'est bon enfant, ça me gêne pas, tu vois. Ah oui, oh, c'était toujours bon enfant. Mais ouais, il y en a, mais il y en a juste un, une fois, je lui ai mangé une mordive dans les dents. Ah, carrément, merde alors. Oui, parce que j'étais en train de... Je sortais de la douche, j'avais pris mon petit sandwich pour manger dans le camion, et là, qu'est-ce que je vois? Il y en a, il était en train de pisser sur mon pneu arrière. Non. Oh l'enculé. Ah, je te jure. Alors j'y étais, je l'ai tapé sur l'épaule, il s'est retourné, j'ai mis une gifle. Voilà. Il n'a pas chopé les couilles. Impeccable. Et l'autre, il est en train d'uriner sur ma jante arrière. Ah non, mais il y en a, c'est pire que des chiens, quoi. Ils peuvent pas s'empêcher de pisser sur une roue, quoi. C'est propre, quoi. Salut, my god. Bonjour, Matt Gaines. Hello. Salut. How are you? Pardon. Comment ça va? Tu veux pêcher mon zizi? Ça va, merci. Non, c'est bon. Il y a un lieu de rendez-vous particulier ou... Oui, alors nous sommes à Limoges en train de faire chauffer nos moteurs. Ben, je serai là dans une heure ou deux parce que je suis un peu long. Hein. Non, mais attends, mais... tu peux te TV, hein. C'est... Ah, d'accord. Il est naïf ce petit. J'ai un problème avec mon track hier. Ah. Et pas mon track demain. Oh là là, ça fait trop bizarre. De quoi? De conduire. Bah nous avec Mike Gonesse on a des camions de trottoir. C'est bon ça. Est-ce que je sais encore faire la Allez plage. Vas-y, fais nous une démo, je te regarde. Alors. Et vous savez que j'ai eu mon plateau avec le maximum de points? Ah oh bah GG à toi. Gros voilà, GG à toi. Bravo. Mais félicitations. Ouais. Et remercie. Je vais essayer de rendre hommage à cette prouesse. J'ai l'impression que je suis pas trop mal alors que... Alors je peux pas si vous voyez comme moi là, c'est comme si t'attelais le tractopelle. Exactement, oui. Non, vous rigolez? Ouais. Moi je le vois attelé une bâchée FedEx. Ouais, tout à fait. Ouais, moi,
Et bah toi c'est une Willibet et moi c'est une FedEx. Moi je te vois en Willibet. Oui par contre moi oui. Et ouais. Nico il a une FedEx, une bâchée avec le carénage. Ah, bon, je vois. Et moi c'est une fourgon que elle vient de se transformer en fourgon celle de Nico tu vois. Ouais c'est bon. Ouais bah moi j'ai comme Nico moi du coup. Un fourgon ouais. aussi. Ok. Par contre Seb t'as le même problème que moi, moi j'ai le fourgon qui traverse les carénages. Ouais, les pare-bois à l'arrière. Ouais, moi ils effleurent. Toi, je les vois qui traversent. Ah bah moi, ça mange dedans direct. Hein. Ça me fait toujours ça avec le Volvo, moi. Ouais. Ah oui, j'ai remarqué. Et qu'ils sont assez haut du cul, c'est pour ça. Ouais, dans 3 heures il fait nuit, quoi. Bah voilà. Enfin, 3 heures dans le coup. On a le temps dans 3 heures, on peut faire plein de choses en 3 heures. Oh, ça c'est sûr qu'on peut faire des choses en 3 heures. Ah bah Nico, il a besoin de 3 minutes, hein. Oh putain. Ah mais imagine-toi le nombre de fois qu'il peut recommencer en 3 heures. Eh, par contre, my goodness. Oui. Pas qu'est-ce à gauche les camions dans les ronds-points. Hein. Non, ah bah, il a fait ça. Bien que je passe, l'IA est bloqué là, moi. Ah merde. Ah ouais, l'autre avec sa toupie, il est bloqué. Ouais, oh là là, les mecs en toupie. J'en ça, c'est aussi. La faute. C'est la faute du mode, ça. Il y a un mode là. Ah bah oui, c'est le mode trafic, brutal trafic. Ah bah, oh bah alors ça. Là, je crois que. Waouh, bah alors là, on est pas bon là. Là, on est vraiment pas bon là. Bon bah, my goodness, il est déjà arrivé à Marseille. Hein. Ouais. Comment à Marseille, my goodness, c'est beau. Ça va, c'est un peu slow là. Mais... Pas trop de poubelles, ça va. Un petit peu, mais on a l'habitude. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah oh, bah alors là, il y a les pompiers qui viennent de faire un face à face. Ouais, j'ai incroyable. Ça, ouais, trop. Avec un Scania. Oh là là. Ah, ça y est, on a perdu. Ouais. Ouais, on a perdu Nico. Bon, il va rejoindre. Vous croyez on va y arriver? C'est mort là. Ah, affreux, affreux, affreux. Je vais pas te mentir, il a mangé l'avant du Scania. Allô? J'ai mis à 100%. Ouais. Ah, Discord va planter. Ah, ça doit arracher le bitume. Comme ça vrille le châssis. Allô surtout. Oh, tu m'étonnes, ça doit être incroyable. Allô? C'est un monster là, truck. Quoi, là pas loin. Les copains? Vous entendez plus? Alors. Petite blague. Bon, ça va, Nico, il suit. Ouais ouais nickel. Putain je crois que Discord a planté. Ils m'entendent pas, ils s'en battent les couilles en fait plus gaffe, hein. Ouais il y a une voiture qui a arrêté d'un coup. C'est génial, ouais, ils s'arrêtent une pas. Une Peugeot. Oh les gars. Ouais le brutal trafic là il va nous réserver quelques surprises je pense. Dès qu'on voit un parking on s'arrête. Allô. Ah, c'est revenu. Il est revenu. Il est revenu. Putain je me suis dit les mecs ils tracent ça, ils sont contents ils m'entendent pas. Non justement on était triste. Oh purée. T'étais où? Pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là. On devait ton peignoir. Ah c'est ça. Ok. Ah bah j'ai tout enlevé comme ça c'est plus aérodynamique. C'est mieux. Ça me fait penser au sketch du Palmacho sur les routiers. Je sais pas si tu l'as vu Turbo. Non. Turbo il est en forme, j'adore sa réponse. Ça c'est clair, je suis en forme, je suis tellement heureux de faire le convoi avec vous. Et oui, c'est top, hein. Et avec L7C Fox et tout, ça fait trop plaise. Oh, grave. Ah, on les embrasse. C'est vous. Ouais, on les embrasse, et puis bon rétablissement à eux. Ouais, oui. Bon rétablissement. C'est juste ça qu'ils voulaient entendre dans la vidéo, hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai lancé le truc, c'est bon. Voilà, donc on les adore, on espère qu'ils kiffe. Iront mieux. On les aime, on leur fait des bisous. Partout, on les surkiffe. Oh putain, on va se faire taper dessus. Hein. Oh oui. Oh oui. Par les deux. Alors moi, par contre, moi j'ai les rétros qui sont super mal réglés, c'est au top. Mais il faut les régler avant de partir. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une grave erreur. Bravo, Turbo, bravo. C'est quoi ce routier en carton, quoi? Ah là là, les routiers 2.0. C'est quoi ce routier du dimanche? Ah. Il y a un petit parking, on peut s'arrêter pour temps de régler. Moi au pire je vais mettre du gasoil, comme ça. Ouais, on pourra même dormir. Ah bah bravo, alors un qui règle pas les rétros, l'autre qui fout pas le plein du camion. Ah bravo. C'est beau ça. Ah là là, les routiers c'est plus ce que c'était. Si jamais, je suis sur un emplacement de parking là. Ok, bah je vais te rentrer dedans alors. Oh super. Bouge pas, je me prépare psychologiquement. Oui, il en faudra. Je suis prêt. Allez, je te prends par le côté par contre. Ah ouais, j'adore ça, vas-y. Putain, fenêtre ouverte et tout, on va nous entendre. Oh, c'est pas grave. Ça fera un peu d'animation dans le quartier. Ah. Comment allez-vous, M. Jésus? Ah, on a bien dormi en tout cas. Ah ouais, ça c'est clair.
Un peu brouillant, c'était... mais... Ouais, un peu brouillant, mais c'était pas mal. Et rapide, surtout. Ah ouais. Bon, ça, on l'a dit, hein. 3 minutes, c'est bon. Seyak. Bienvenue à Seyak, les enfants. Eh ben voilà. Oh là. On va emmerder les Seyakins. Putain, quand t'as passé une semaine en porteur et dans la vraie vie, là, ça fait bizarre, hein. Ah, tu m'étonnes. Et quand je dis que ça fait une semaine que je suis porteur, c'est dans 3 mois j'accouche. Hein. Oh. Oh, il est beau le giratoire, vous allez voir, il y a 3 pins dessus. Ah ouais, magnifique. C'est mignon. Vas-y, je fais un 3-6, ouais. Passez-moi devant. Allez, c'est parti. On se bandit. On se bandit. Et my goodness, entre nous, vu que tu fais... Ah putain, et my goodness, ça va toi du coup? Oui, ça va. Non mais par rapport à Grand Utopia, putain, la fils de puterie quoi. Ah ouais, moi, ça devait arriver, hein, de toute façon, c'est comme ça. Incroyable. Parce que j'ai pas suivi, t'es arrivé quoi? J'ai quelqu'un qui a fait fuiter mes add-ons du Patreon sur, oh non. Sur Internet. Ouais. Oh, ok, d'accord. Oh moi, bah, c'est ouais. Qui, moi? C'est Virginie la mauvaise. Oh, la vieille ref. Ah oui, celle-là, putain, je l'avais oublié. Oh. Oh, je l'avais oublié. Oh, je viens du sud. Ah ouais, c'est Marseille, bébé. Oh, c'est Marseille, bébé. Ah non, moi j'habite dans le Vaucluse. Oh, regarde-moi l'autre, la dinguerie qu'il va nous faire. Ouais, là. Il essaye de me doubler, mais il arrive pas avec la voiture. Si tu veux le Volvo, il a une coupe là. Je tords le goudron avec. Le goudron. Les pneus. Oh non. Oh là. Je vais pas te mentir, j'ai torpillé le coudron, mon copain. Voilà, attention, ça freine. Ok, merci de l'info. Ouais, ça freine fort. Oula, c'est tout arrêté. Fort de café. Alors, est-ce qu'il y en a encore un qui a fait le face-à-face? Oh là, c'est chiant, ça. Il y a un gendarme américain qui arrive. Allez, avance avec ta merde, là. Ah bah, j'ai un Volvo, hein. Non, mais je t'en... Excellent. Excellent. Mais non, c'est avec son auto pourri, là. Je sais pas ce que c'est, cet engin. Une Renault Mégane. Ah bah voilà. Ça ressemble pas à une Mégane. Ah non, ah bah, mais entre toi et moi, entre toi et moi. Oh, ah, entre toi et moi, il y a tout un monde. Oh là là, c'est beau. Ça va vite ici. Ouais, ouais. On connaît, hein. Ah, ça fait comme Mario au premier regard, hein. Ça va très vite. Mario au premier convoi, voilà. C'est ça. Nico, il est derrière moi. Ouais, Godness aussi. Bon, enfin, il fait gaffe parce qu'il y a les gendarmes entre nous. Quelle tristesse. Ouais, bah ça va, vous allez me rattraper, il y a l'amigo qui se traîne la moule. C'est bon. Ah putain, Discord a encore planté. Vous avez des voitures entre vous? J'ai une voiture de gendarmerie entre nous. Casse les couilles. Tu peux pousser. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Tu soudes la pédale d'accélérateur au plancher, tu y vas. Allez, hop. Casse les couilles. Il est revenu. Ah non, il s'est arrêté. Il est revenu. Ah, oh, ouais, vous faites un bouchon là? Faites une manif? Oui, c'est ça. Vous mettez de la terre partout. Eh bah c'est ce qu'on fait. En plus moi j'ai le Volvo qui pisse du gasoil partout, c'est très bien. Magnifique. Putain, mais pourquoi t'as pris un Volvo du coup? Parce que j'avais envie de changer, toujours Scania, j'ai dit allez pour une fois je vais changer, je vais prendre la concurrence Volvo. Est-ce que t'es heureux? Oui. Parce que comme dirait l'autre, il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Un peu de satisfaire du nécessaire. Youpi. C'est Seb en fait qui a fait ça depuis le départ. Ah oui. De quoi? Seb c'est Balou. Ah oui. Ouais, on peut dire ça. C'est voilà. Mes corpulents c'est mon et les poils que j'ai sur le corps, ouais, je ressemble à ça, ouais. Incroyable. Un ours. Je me gratte le dos sur les arbres et tout, c'est trop bien. Oh là là, c'est excellent. Alors faites gaffe les gars, on arrive à s'insérer. Et donc c'est serré? Ah c'est très serré. Ok. Oh my god. Bon petit village du Lot. Oh my god, il est derrière. C'est excellent. Oh là, le camion il fonce dessus, il est fou lui. Okay, et on quitte Saint-Céré. C'est joli, n'empêche. Hein. Je regarde. Ah bah Saint-Céré c'est joli, mais c'est serré. Hein. C'est la Diox qui a fait tout ça là? Non, c'est pas ça. Saint-Céré, je sais pas si c'est pas encore dans la map d'origine ça. Non. Non, Saint-Céré, ça y est pas, c'est comme Aurillac, ça y est pas, c'est sud de France. Okay. Ah, Charlie.
Charlie, ouais, sud de France, Charlie, ça doit être. Ah oui, non, on a dit que c'était Perret le château, je crois. Et, oui, Perret le château, ouais. Et je sais pas quoi, il y en avait un autre, je crois. Oui, mais il n'y avait pas Bourges. Bourges. J'ai un deal à Bourges. Bourges Khalifa. Okay, oh, la Bourges. Ah, c'est excellent. Et du coup, toi, My Godness, ça fait longtemps que t'as pas roulé ou tu roules beaucoup? Je roule pas excessivement. Après, j'ai pris un peu de temps pour jouer sur le DLC, là, le dernier. Ok. Un peu de temps, j'ai fait 3 missions, c'est tout. Ah merde, d'accord. Ah voilà, je sais pas si t'appelles ça un peu ou beaucoup. Et là, on arrive à Loubressac. Non, mais c'est un vrai commentateur sportif, Turbo. C'est un vrai quoi? Oui, est-ce qu'on a eu que la moitié du monde. Ah non, ça a planté Discord encore. On a encore perdu Nico. Ah mince. Superbe. Et là, il va revenir en nous défonçant les tapants. Mais merde! Ah mais non! Ah mince. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font devant? Il y a une Tesla qui arrête au milieu de la route, on sait pas, elle a peut-être plus de piles. On l'a cramé, c'est toi. Il est revenu ou pas? Non, il est parti. Non, il est parti. Ah, bah... ah ça y est, attention. Attention. Je comprends pas. Ah, ça va. Oh, t'as pas gueulé. Ah, dommage. On s'attendait à ce que tu gueules, mais non. Wesh, le bus, il fait quoi? Il va faire un face-à-face. Attention, My Godless, tu vas mourir. Non, bah, y a deux bus entre nous, donc j'ai le temps de voir. Ok. Ah ouais, là, c'est le début de la fin, là. Deux bus entre vous. Ah, bus, t'as dit, mais t'es pas malade, toi. Pourquoi ça part comme ça d'un coup? Tu comprends pas, tu sais. Mais t'as tout tes permis bloqués de la tête, dis. Ah, bus, bah t'es malade. N'arrête plus Turbo, ça y est. Ah non, c'est fini. Turbo, en plus, je suis en tête de combat. Ah ouais. Là, je suis lancé, je suis incroyable. Incroyable, impeccable bien. Impeccable bien, incroyable. Bien mon copain. Ah mon copain. Toi, tu me démarres devant, je te broie l'auto, mon seigneur. Je vais pas te mentir, je vais te faire du haché par mon entier. Seigneur. Eh, hey, vous voulez pêcher? Il y a un super petit cours d'eau, là, on peut pêcher. C'est vrai. Oui, c'est le lot. Attention, il y a un cône au milieu de la route. Incroyable. Incroyable. Allez, je trouve que c'est un peu calme là-dedans. Je vous conseille la vallée du Lot pour vous balader, les gars. C'est vraiment joli. Ah ouais? Sans déconner, ouais. Il y a de très très jolis villages à voir. D'accord. J'en prends bonne note. C'était l'info touristique du moment. Donc avec nous, on a un animateur sportif, on a un guide touristique, on a un mapmaker qui est un peu américain ce soir. Américain. A mapmaker, yeah. American baby. Oh yeah, rock and roll. J'ai failli rentrer dans Bincolo du coup. Ah bah super. Y a plus de bus entre vous, ça va mieux du coup. J'ai bien dilaté les fesses en plus. Oh ouais. T'as relevé ton peignoir ou c'est... Moi par contre c'est chiant, je suis toujours en train de remonter dans le siège, je glisse. Voilà. Le petit siège en cuir. C'est génial. Je déteste les sièges en cuir. Je vais pas te mentir, mon siège, il y a 400 vaches en même temps dessus. Tellement qu'il y a du cuir. Elles devaient quand même être petites les vaches alors. Ouais, ou alors une bonne épaisseur de cuir. Oui aussi. Ok, My Godness, il y a personne. Ah, relaise. Attends, mais mon truc il est pas aussi puissant que vous là. Mais t'as combien d'américains? My Godness, y'a personne! My Godness, y'a personne! Je veux Tu peux, ne t'inquiétez pas, avec Turbo, on roule à 45-50 en ce moment. Ouais, bah là, t'inquiète. Là, ouais, je dépasse pas le 50. Et ça freine, y'a rien, et ça freine. Wow! Oh, GG. Et là, on a fait une manœuvre très légale. Très légale? Oh là, attention, My Godness! On va se péter le cul. Et Nico est redisparu ou pas? Ouais. Parce qu'on s'est arrêté. Bien sûr, vous m'entendez plus. Toi, Seb, là. Non, oui, c'est vrai. C'est parfait. Ben voyons. Ah, c'est incroyable ça, faut plus qu'on s'arrête. Ou alors, est-ce qu'on le mettrait pas en tête de convoi et ça réparerait le truc? Tu me passes en clignotant, espèce. Qu'est-ce qu'on fait? On tente de se garer là? Ah non, mais attends, on va attendre qu'il revienne en vocal. Ouais. Parce que si on s'arrête, si on s'arrêtait, il va rien comprendre. Déjà qu'il comprend pas trop quand on lui explique. Ah, qu'est-ce que je conduis bien? J'utilise les ralentisseurs, tout. Oh, bon, on va essayer de rattraper tout ça. C'est vraiment professionnel. Bah attends, j'ai passé sur la chaîne de Monsieur Mkolo, là. Je vais dire que... Ah, faut faire les choses bien. Ah, en tout cas, ça fait plaisir de faire un convoi comme ça, bien organisé et tout, c'est le top. C'est carré. Terrible. Ah, c'est carré, c'est propre, c'est net, c'est précis. Et où, My Godness? C'est bio. Je n'ai point la fibre. Casse la Eh, salut à toutes et à toutes, c'est la même compagnie. Sérieusement, quoi.
Salut tout le monde. Eh hey, Mkolo, ouais. Y'a un parking, on va s'arrêter. Essaye de passer devant, ça se trouve c'est le fait que tu sois derrière. Oh putain. On va être, on va passer tous derrière toi. Ouais. Ouais. Je te passerai le tube magique dans le camion. Oh là 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 là. Hop, attention, on va tourner à droite. Ok, et eh ben tu sais quoi, my goodness, il me passe devant, je me mets en deuxième et puis vous suivez. Voilà. Parce que comme il a un américain, my goodness. Un sandwich. Ah non, c'est l'Amérique. L'Amérique, tous ensemble. Pardon. Incroyable. J'ai la larme à l'œil. Moi aussi. Oh, c'est beau. Vous êtes tous les copains. Ah. On arrive. Putain, le petit virage en dévers là. Ouh. Ouais, faites gaffe les gars parce que ah, je suis un peu enflammé. Bon. J'ai failli mettre le genou par terre. Ouais. Moi j'ai les coudes qui frottent. Attention, il y a les Hendek. Assassin de la police. Woup, woup, woup. Ah bah en plus, deux bagnoles de flics. Oh, c'est bon ça. Oh ouais, deux fois plus de menottes. Et de matraque. Et le convoi de la Beaufry. Ah ouais, oui, bah alors là, carrément. On joue un jeu de camion quoi. Ouais, on se met dans la peau. Voilà quoi. On joue le personnage quoi. Ah, voiture contre sens. Ah, merci pour l'info. En tout cas, c'est plus efficace qu'un klaxon. Ah oui. C'est super chouette en tout cas ce qu'il a fait, Charlie. Ouais. GG Charlie. GG Charlie. Ouais. Et la chocolaterie. Carrément. Charlie, s'il nous entend, s'il passe par là, il va rigoler. Oh oui. Bah, s'il nous donne des chocolats. Ah oh ouais, grave. Et franchement, le mode brutal trafic, mes couilles là. Peut-être pour le prochain convoi, on pourrait l'enlever. Ah oui, ouais. Oui. Bah, j'allais le proposer, mais j'ai pas voulu jouer l'emmerdant. Tu sais, je viens d'arriver et tout, j'ai dit non. Turbo, tu fermes ta boîte à camembert, hein. Bon, eh ben, je vais suivre Mike Goodness, ma foi. On y va. Comment il a fait ça? Il y a un camion qui est retourné. Putain, toi, au moins, tu mets tes suspensions à l'épreuve. Ah ouais. Oh, qui c'est qui passe là-bas? C'est Nico qui est passé à travers... Ah ouais, à travers champ. Oh, bordel. Vas-y, passe devant, Mike Goodness. T'as pris 2-3 carottes? J'ai juste vu le cul de la SMI qui se balançait, tu sais. Ouais, ouais. Bah, on je balance mes fesses comme ça, tu vois. Ah ouais, il a twerké du cul de la SMI. Ah, c'est bon ça. Tu balances ma gueule. Maintenant c'est plus des saucisses qu'il a, c'est de la chair à saucisse. Ouais. La bonne grosse saucisse. Mmh. Avec le boyau encore autour. Mmh. Mmh. Vous savez que moi j'ai livré là, ça fait 2 semaines que je livre un abattoir. Une saucisserie ? Non, un abattoir. Ah, oh. Ça pue ça. C'est incroyable, ouais grave. Ah, comme ça pue. Oui, non, c'est incroyable dans le sens, c'est waouh. Ouais, ça doit être ouf, ouais. Non, mais dans le sens, oui, c'est incroyable, genre comment ça pue, comment c'est. Ah oui, bah c'est bien dans ce sens-là que je le dis. D'accord. Après, il y a les abonnés, ils vont dire, ouais, ils trouvent ça trop incroyable, les gens qui tuent et tout. Pas grave. En plus d'être des beaufs, c'est des barbares. Voilà. Je te jure. Le convoi de la mort. Et ouais. Et putain, j'en ai vu, hein, les vaches éventrées et tout, putain, ils auraient pu prévenir quand même. Ouais, là c'est chaud ça. Ah bah oui, ça c'était chaud. Au moins tu peux te mettre un peu au régime ou faire des économies comme on veut. C'est sûr que t'as moins envie de ton petit déj après. Hein. Ah ouais. Et puis le midi quand tu t'es prévu un petit steak de bœuf serronné, bah tu le manges pas. Bah, c'est ce que j'ai mangé ce soir. Hein. J'adore la viande de bœuf serronné, j'adore ça. Il était là le risque d'attendre. Ah bah voilà. Ah bah ça y est. On l'a perdu. Il y avait un risque d'attendre et un risque de perdre l'ami Mkolo. Et on a les deux. C'était quoi ce petit rire là? Ouais, il était c'était un peu coquin, non? Et par contre, comme je suis content, aujourd'hui c'était une journée incroyable parce que c'était la première fois que je faisais vraiment les appels de phare sur l'autoroute, les droite-gauche. Ah, c'était trop bien, je me suis cru dans Euro Truck là, c'était énorme. Tu sais, comme il y en a qui roulent à 80 quand c'est 130, bah du coup je me suis permis 90, doublé, tac.
Le mec il me fait l'appel de phare, bam, je me rabats, droite, gauche. Après je fais la même pour un autre appel de phare, droite, gauche. Oh j'étais en mode putain, eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h. Ah c'est bon ça. Ah ouais c'est bon. Bon bah cool, en tout cas content pour toi, c'est génial. Ouais. À côté route c'est bien. Côté route. Bah à côté route c'est bien. Ouais le côté ah, le fait de rouler. Ouais la partie route elle est bien quoi. Oui, l'autre, le reste, un peu moins bien, c'est ça. Bah le reste, je commence à gérer, mais putain, je fais que de transpirer, ouais. Ça me saoule. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce que tu fais, finalement, c'est un peu physique, quoi. C'est sportif. Ah, mais après, c'est le début, en plus, tu sais, quand t'es stressé, tout ça, tu... Ouais. Ah, j'étais pas tant stressé que ça, mais le truc, c'est que quand tu montes 3 étages, je sais pas combien d'aller-retour, bon... Merde, je sais plus comment on fait pour dézoomer, là, sur le machin. Sur le petit F. Ah, faut prendre ses deux doigts pour dézoomer et tu fais soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Ah bon. Non, après il n'y a que de l'autoroute. Ah d'accord. Bon, c'est pas grave. L'autoroute hein. jusqu'à Marseille. On s'arrête pas sur les passages piétons, mais my godness, enfin. Voilà. Attends, je regarde la carte. J'ai déjà vu que le camion s'arrêtait. Je pense que c'est déjà pas. J'ai refait le QM Colo. Ah. Et en plus, ils montent sur les trottoirs. My godness. Attends, parce que. J'ai suivi le camion là, du coup j'ai pas pris assez là. Elle fait combien de mètres ta remorque? Bah, c'est une excellente question. Ok. Alors ils ont pas des longueurs comme chez nous, il y a des 48 pieds, des 53 pieds de mémoire. Alors après, je sais, la conversion. Bah en mètre, je sais plus, hein. C'est... Oh, il est dans la merde, my godness, ouais. Regardez ça. Paf, le rétro, terminé, constat, hop là, allez. Ouais, allez sur grandutopia.fr, vous trouverez son mail. Trop petite ces routes. Ah oui, c'est la faute des routes, ouais. Tu sais, c'est comme l'arbre quand tu traverses la route, là, ce con. Ouais, c'est pareil. Putain, le rire de... Oh merde. Ah bah... Mais il s'est pas arrêté, là. Ah bah, Discord a planté. Non, ouais. Du coup, non. Ouais. C'est moi ou ça, Smi, elle a fait du deux roues, enfin elle était sur les roues sont un peu levées. Ah, à qui? Ah ouais, oulala, ah bah là il est en train de farfouiller sur Discord. Putain, là, j'arrive pas à mettre Discord. Ouais, y'a moyen. Conduire ou Discord, faut choisir. Ça c'est bien. Casse les couilles. Et pourtant on n'était pas arrêté, hein. Bah ouais. J'ai un peu là, j'espère que ça va pas trop d'écho. Non, bah en fait je pense que c'est genre toutes les 5 minutes, je pense qu'il y a un contrôle parental Discord. Moi je l'ai giclé le contrôle parental. Ah, mais c'est parce que nous on a l'âge requis, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, on a dépassé les temps. Vous êtes des thugs. Ouais. Ouais, t'as vu. On est des oufs. Des oufs. Alors là, il y a un panneau Starbucks et c'est marqué Exit. Tu veux que j'excite quoi? Coffee break. Turbo, il se régale tout seul. Oh, c'est ça que c'est bon. C'est ça que c'est bon. T'as, il prend un raccourci, my goodness, le fou. Ah merde, c'était pas ici. Ah non, mais t'as raison. Non, mais en vrai, ça. Je passe. Ah, mais c'est avec le GPS. Moi, je suis les panneaux. Hein. Ah, t'as bien raison. Bah, avec ta remorque, c'est plus adapté. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il a 2 km de remorque à passer, donc du coup. C'est ça. Et ouais, les mecs, c'est pas un routier 2.0 qui se fie seulement à son GPS. Il regarde les panneaux. C'est ça. C'est ça. Il regarde tout. Putain, je suis content de pas être perdu avec le SMI. Bah oui, y'avait pas de raison, t'inquiète. Non. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ah là, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Waouh, oh bah, et pas que les mots, hein. Enfin. Ah non. Bon. Bah, non, le reste c'est mieux quand ça reste, quoi. Hein ouais, ouais, c'est. Hein. Le vrai visage de Seb, le vrai visage de Turbo. Heureusement, my godness est un saint. Le mien, ça va, tu commences à connaître maintenant. Bah moi perso, oui. Ah oui, hein. Tous les jours, il m'envoie des vocaux. Par contre, les viewers, un peu moins. Ouais, un peu quand même. Seb le beauf, tout le monde dans les commentaires, Seb le beauf. Non, ça va, j'ai des bons retours quand même. Ah oui. Sur les quelques convois qu'on a fait. Oui. Bah là, j'ai hâte de voir les retours. Bah là, tout le monde va dire, hey, Turbo, en fait, c'est trop un ouf. Grave. Mais Turbo, mais comment ça se fait que t'es sérieux dans tes vidéos? C'est pas toi, c'est pas possible. Là, les gens, ils vont croire que c'est pas moi, en fait. C'est ça. C'est vrai qu'il y a un petit décalage.
En fait, je vais vous dire la vérité, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire des vidéos avec Turbo, mais malheureusement, il a pris la grosse tête et il me répond pas, et du coup, bah en fait, on fait genre depuis le début. Ouais, voilà, Turbo est vraiment le gros con, quoi. Vraiment, le mec, ça y est. Il a changé, hein. Ah, il a changé. Eh, mais Seb ? Oh là là, ça part en sucette devant. Mais attends, on est d'accord qu'il vient de me... C'est pas ça. Bah, je vois notre ami Mkolo sur la bande d'arrêt d'urgence. Ah ouais. Oh, allez, casse-toi avec ta golf, toi. Eh Seb, tu m'as fait une queue de poisson, là. Y'a rien fait, tu t'es parti, t'es vu au loin prendre la barrière tout seul. Non mais ça t'as vu, oui, non mais tout à l'heure. Enculé. Ça le fout, regarde ce que tu m'as fait littéralement, mais littéralement, hein, ça. C'est vrai, je te voyais pas, jure. Après j'ai des lags, je t'avoue, donc ça se trouve c'est pour ça aussi. Ah ok. C'est pas la mat... Wesh, Turbo ! De quoi ? T'as vu ce qui s'est passé ? Non. Ah, et on l'a reperdu. Le voyage en ballon. On s'est pas arrêté. Eh non. Je sais pas de quoi ça vient. Comme d'habitude. Et nine. Nine. Ah, et là, il est en train de trifouiller Discord, il est au milieu de la route. Voilà. Donc là, on y sait tout de suite. Ça roule fort, dis donc, là, les gars, c'est 50. Ouais. Parce que là, moi, je suis déjà rendu à presque 65. Kenworth, là, ça, il a des ailes. Ah, le Kenworth, c'est une légende. Et j'ai pas dépassé les 50. Ouais, arrête. Ah, oh, mais les 50 miles. Oui, t'étais en miles. Kilomètre heure. Excellent. Qu'est-ce que j'ai fait ? On me recule pas dessus. Mais j'ai pas reculé. Bah, tu rigoles ou quoi ? Bah non, j'étais en train de choisir ma mission. Eh, t'étais en... mon mission. T'étais en train de reculer ? De parking. Tu m'as reculé dessus ? Non. Je suis triste. Tu fous de ma gueule en plus.